Salut les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo tuto peinture pour le jeu Bolt Action. Donc aujourd'hui on va peindre le Half Track allemand. Donc sur cette sous-couche blanche je vais appliquer la couleur kaki de chez Valero Game Color, donc l'équivalent du Zandri Dust chez Citadel. Si vous avez une bombe de sous-couche de cette couleur-là, c'est encore mieux, ça vous fera gagner du temps et vous n'aurez pas besoin de mettre de sous-couche blanche. On va partir sur cette couleur là pour ensuite faire un camouflage en petite bande, en petite bande serpentin. On va venir tapoter en fait avec un pinceau spécial brossage à sec, un embout rond. Donc vous avez les liens dans la description bien sûr du matos. Je viens tapoter en Rhinox Hide en faisant des bandes, des petits serpentins. Histoire d'imiter le fameux camouflage. Donc après sinon vous auriez pu faire d'autres types de camouflage ou pas de bande, hein, c'est possible aussi, c'est à vous de voir, mais j'avais envie de faire ça. Même chose mais cette fois-ci avec le vert, donc en sick green. Donc comme ça on a un camouflage marron et vert sur une base de couleur crème caramel. Donc c'est typique des camouflages allemands pour les, par exemple pour les Panzer 4. Mais là, le Half-Track recevra la même technique de camouflage. En Corvus Black, je vais faire toutes les parties noires des chenilles et des pneus, ainsi que les armes. Alors vous allez voir que je vais me tromper tout simplement, je vais peindre en noir le canon, mais ensuite je vais me rattraper en remettant la couleur traditionnelle. J'étais persuadé que c'était cette couleur-là, et en revoyant les images, comme quoi il faut pas se fier des fois à son imagination, il faut regarder précisément à quoi ressemblent ces fameux véhicules avec des images qu'on peut retrouver sur internet d'époque. J'ai fait aussi les sièges, hein, pour information. Une fois que le séchage est complet, je fais un mélange de médium et Agraxer Child pour venir faire un lavis général sur le véhicule. Alors le médium permet vraiment de pas trop foncer cette couleur, même si après on va rattraper un petit peu grâce à une technique de peinture. Mais au moins on a un lavis propre dans les creux, enfin un lavis propre, ça vous fera un effet sale quand même, mais c'est le but recherché, mais en même temps ça sera pas trop foncé. Avec le fameux kaki qu'on a déjà fait au tout début, on va venir en fait finalement rehausser toutes les parties crème sous forme de brossage et brossage à sec. Alors selon les zones ça va être des brossages et à sec par exemple au niveau des galets, mais sur les plaques latérales, avant, etc. entre les camouflages, là vous pouvez le faire non à sec. Le but c'est de camoufler au maximum les imperfections liées aux petites bandes marron et vert. Après le séchage complet en Skaven Black Dyeing, je vais faire des petits tapotages pour faire des traces d'usure sur les arêtes. Voilà, je tapote légèrement sur ma palette, sur la peinture, je retire les excédents et je viens tapoter légèrement sur les arêtes du véhicule pour faire des effets d'usure, histoire de rendre le véhicule vraiment non flambant neuf, typique des véhicules qui ont subi des éraflures liées au combat. En pigment liquide Dark Earth de chez Green Stuff World, je vais utiliser ce type de pigment pour faire un effet de salissure sur le bas du véhicule, surtout sur les chenilles et les roues, histoire de faire une imitation un peu de boue une fois que le tout aura séché. En Valero Game Color Bone Wife, je viens faire des éclaircissements sur les petites arêtes, un petit peu à droite à gauche, sans bien sûr retirer tout ce que j'avais fait en Battle Damage, mais juste là où il n'y en avait pas. Alors ça pouvait être fait avant, mais j'avais envie de rehausser un petit peu, donc j'ai fait un peu à l'inverse, mais c'est pas grave, de toute façon je fais des petites bandes très légères un petit peu à droite à gauche, histoire de faire des petits points de lumière avec cette couleur crème très claire. Je vais déposer des nuances avec un autre pigment de chez Green Stuff World, donc c'est du Medium Earth. Donc c'est un peu plus clair, un petit peu plus orangé, histoire de nuancer un petit peu l'effet boue. Je vais travailler, voilà, cet effet de salissure, mais sinon c'était pas forcément obligatoire pour ceux qui maîtrisent pas les salissures. Une seule couche d'une seule couleur aurait pu largement faire l'affaire. En Scrag Brown, je viens terminer le tout pour rehausser. Donc là c'est du Scrag Brown dilué, histoire de faire un effet un peu de boue, de rouille sur les galets et les chenilles.
et aussi sur toutes les petites jointures qu'on peut retrouver voilà, sur la figurine. Alors un tout petit peu, voilà, histoire de rajouter un petit peu d'effet de rouille sur le véhicule, histoire d'avoir quelque chose de très sympa. Donc comme vous pouvez voir, je rattrape bien sûr le fameux canon en remettant cette couleur kaki de chez Valero Game Color. Donc une couche et ça suffira. Et puis un petit brossage au bout en noir, histoire de faire un effet d'usure de bout de canon. Il est temps pour moi de coller des petites décalcomanies. Alors vous pouvez le faire à la main, mais c'est mieux de le faire avec les décalcos, au moins vous êtes précis. Une petite couche de vernis, les petites zones de décalcomanie ont été découpées soigneusement, déposées dans l'eau, et au bout de quelques minutes, ça se décolle. Et je viens délicatement, voilà, avec un pinceau et de l'eau, parce que c'est le secret pour pas les casser, jouer avec l'eau ou un pinceau humide pour pouvoir bien le positionner. Et puis avec un essuie-tout, on vient retirer les excédents. Et après séchage, voilà ce que ça donne. On peut en mettre, comme vous pouvez voir en image. Et pour finir, pour matifier le tout, une fois que bien sûr que tout a été bien sec et qu'il n'y a plus de traces d'eau, un petit coup de vernis pour protéger et la figurine et matifier les décalcomanies. Un vernis de chez Action. Donc il marche très très bien. Je suis très content de cet achat. Et on voit le résultat. Donc voilà, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas du coup à lâcher des commentaires, liker la vidéo. Si vous le souhaitez, vous pouvez aider la chaîne sur le Tipeee en lâchant un petit pourboire à partir de 2 euros mensuels ou unique. C'est comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est super cool pour ceux qui jouent le jeu et qui nous aident à la création de contenu. Et quant à moi, j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter. Bonne peinture, bon jeu. À très bientôt.